de salope. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer un masque d'Halloween. Bah oui, parce que comme tous les ans, tu vas être invité à la soirée de mode, mais tu vas y aller sans déguisement, et il y a forcément un putain de gros con qui va te dire « T'es pas déguisé ?»« Non, je suis pas déguisé !» Parce que ça me fait chier de dépenser la thune pour cette soirée. Merde ! Et de toute façon, j'étais obligé d'y aller parce que j'ai promis 3 fois. Donc si tu veux pas que ça arrive, soit tu te casses et tu quittes cette vidéo, soit tu restes. Mais si tu restes, tu sauras te fabriquer un super masque citrouille d'Halloween. Pour cela, il te faut du scotch, du papier orangé, des feutres, des ciseaux, du scotch et des mains. Bah oui, parce que si t'as pas de mains, tu peux pas réussir ce tuto. Alors sors-toi les mains du cul. Quitte cette vidéo. Papa non, t'as pas de mains. Pour commencer, dessine une citrouille sur la feuille colorée à l'aide du feutre. Une fois que ta citrouille ressemble à une catin des bois, tu la découpes délicatement avec tes ciseaux. Pour cette étape, fais-toi aider d'un adulte qualificatif. Et si tu sais pas dessiner des citrouilles, c'est ton putain de problème, mon gars. Et ouais, fallait suivre pendant les cours de dessin. Nicolas, arrête de sniffer la colle et de manger les feuilles. Je t'emmerde, putain. Regarde ce que je suis devenu. Regarde ce que je sais faire. Je sais dessiner des citrouilles. Pour finir, tu sors le scotch et tu démerdes pour faire coller la citrouille à ta tête avec lui. Et tu fais bien plusieurs tours pour qu'on voit plus ta sale face de rat. Georges, viens ici. Mais pose-moi ça. Assieds-toi. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai des cadavres à déguiser. Préservatif et rose anal. Je vous aime, putain. Merde. Ah, abonne-toi. Je vous aime, putain. Tu suis ce putain de putain de putain.